Et le gagnant de notre loterie est Andrew. Il a remporté un chèque de 10 000 dollars. C'est moi, j'ai gagné. Papa a gagné un tas de fric. Quoi? Un poney! Une voiture! Un château! Bien sûr, mes chéris! Papa a tenu compte de tous leurs souhaits. Et voilà! Un camping-car! C'est pas un château! Bébé, pleure pas! Je voulais juste un château! Voici nos prix. Et voilà le gros lot. La tronçonneuse de saut 4. Et aussi nos prix de consolation. On l'a perdu. Regarde, Suzy. La petite a fait tomber son rêve. J'ai une idée, Grégory. On va transformer cette caravane en château. Elle est pas si mal. Allez. Nettoyer à deux, c'est plus marrant. C'est tellement rabat-joie. Je déteste ramasser les ordures des autres. Vous êtes qui, vous? Je vous ai pas invité, dégagez. Adieu les poubelles. Mais c'est mes affaires. Papa va être trop fier de nous. Pourquoi vous avez fait ça? Mon argent! Vous êtes des monstres! Très bien, je vais tout remettre comme avant. Mes poubelles adorées! On restera ensemble pour toujours. Ah ah, mes ordures! Je vous aime tellement! C'est pas génial? Alors, cet incroyable sono a été remporté par... Andrew! Une canne à pêche? Une machine pour le sommeil? Un chemin de fer électronique? Andrew! Oh yeah, j'ai gagné plein de trucs! Papa? Oh, ça sert à rien! De quoi on a besoin? Tu sais quoi? On prend tout! Wow, j'ai touché le jackpot! Je vais choper ça! Pouh, c'est dur! Qu'est-ce qui te prend autant de temps, Greg? Lève-toi! Allez, prends la boîte! Ok. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut! Oh, les conquérants reviennent! Hein? Il y a d'autres ordures? Mais on a nettoyé il y a à peine une seconde! Bon, on va de nouveau devoir ramasser ça. N'est-ce pas ce sac ici? Il est super lourd, on a acheté des haltères ou quoi? Mais pour qui tu te prends? Ah, c'est le dernier sac. Bouge pas cette fois. Regarde, Greg. J'ai trouvé la porte parfaite pour notre futur château. Toc toc! Qui est là? On a besoin d'un toboggan. Il n'y a que papa pour nous en trouver un. Allô, papa? On a besoin d'un toboggan. Peut-être, si cette vidéo obtient 50 000 likes. On a besoin de votre aide. Lâchez-nous 50 000 likes! Bande de monstres! Heureusement que j'ai pris un cours de survie dans les bennes à ordures. C'est l'heure de rentrer à la maison! Quoi, il y a une porte? Voilà le plan de notre future maison. On va aller chercher des matériaux de construction. On peut dire qu'on travaille sur un vrai chantier de construction maintenant. C'est ouf! Allez, au boulot! Vire la poubelle. Moi, je vais me débarrasser de cette vieille paroi. Aide-moi, Greg! Ensemble! Tire! Waouh, on a réussi! Il en reste... Attention, Greg! Double strike! Oups, désolé. Suzy? Suzy, t'es où? Juste là, je me cachais. C'est pas le moment de s'amuser, sœurette. Alors, de quelle poutre j'ai besoin?
celle-là, je crois. Je vais la visser, frérot. Nickel! Va y avoir des étincelles! Attends! D'abord, on doit prendre des mesures. Maintenant, tu peux scier, Suzy. Ok, ça commence à chauffer ici. Doucement! Il nous faut des ciseaux maintenant. Pas ceux-là, de vrais ciseaux. On a des plaques en alu pour nos futurs murs. On va les installer. Je parie que je peux m'en occuper plus vite que toi. Défi accepté! Je vais gagner! Quoi? Jeté à l'œil! Tu mourras pas! Moi, j'utilise une visseuse de pro. Mate un peu ça, Suzy! Quoi? Tu t'es vissée à la maison? Et c'est qui le plus chatouilleux ici? Arrête, Suze! Stop! Suzy! Oh! Allez, entre, frérot! J'entends rien! Toutes ces étincelles! Ok, je recommencerai plus. T'as ma parole. On fait la paix? D'accord. T'es le meilleur frère du monde. On va attacher ces plinthes autour de la maison. Waouh, c'est impec! Mais on doit encore s'occuper de l'étage. J'ai une bonne idée. Vas-y, Greg! Tape dedans! Kia! Bien joué, Greg! Ils ont volé ma caravane, regarde! Quoi? Ça ressemble pas du tout à ta vieille caravane en ruine. C'est vrai que c'est plus la même. Vous avez fait quoi à ma maison, bande de monstres? Oh, un tremblement de terre! Oups, je te tiens. Tu vas bien? Grégory? T'es qui, toi? Qui je suis? Et vous, alors? C'est moi le vrai propriétaire de cette caravane. On a traversé vent et marée ensemble. Non, non, non! Notre père a gagné cette caravane à la loterie. Swap! Et le rêve de notre petite sœur, c'était d'avoir un château. Suivant! Donc maintenant, on transforme cette caravane en son château de rêve sur roue. Je vais pas abandonner si facilement. Tu veux 5 dollars? 5 dollars, t'es sérieuse? En échange de mon trésor? Et avec 2 de plus? Ah, là, c'est du sérieux. Marché conclu! Et d'ailleurs, je peux aussi monter un toit contre seulement 2 dollars et 41 centimes. Ok, t'es embauchée! J'ai trouvé de super matériaux pour le toit. Ça ira parfaitement avec le reste. Au boulot! Ah, super! Maintenant, on doit installer cette pièce là-haut. Moi? Ok! Tu vas bien, Greg? T'as pas le vertige? Je le tiens. Oh, une pièce! Ah! Waouh, 1 centime! Oups! Qu'est-ce que vous fabriquez, les gars? Heureusement que l'herbe était molle. Oh, la déco intérieure est horrible! Sympa, non? Non! C'est pas assez bien pour notre sœur. Ouais, c'est horrible. On va tout changer. Attendez, les amis! Je vous ai caché un truc. Je suis un peintre professionnel. J'ai une idée super originale. On remplit une seringue de peinture et on l'éjecte dans un ballon. Où est-ce qu'il a trouvé ce ballon? Heureusement que je jette jamais mes vieux trucs, moi. Où il est passé? Je suis là! Regardez, je vais lancer un ballon contre le mur. C'est dingue! Ce serait génial si tous nos souhaits se réalisaient si facilement. Greg, l'imagination fonctionne, regarde! Waouh! Il est joli ce tapis moelleux.
On va recouvrir le sol avec. Top là! Waouh! Je viens d'avoir une super idée. Je vais dessiner un pétale. Et transformer une lampe en fleur. Waouh, ça rend vraiment bien! C'est Daisy de Poppy Playtime. Non, elle, c'est Daily. On va le prouver à ce monsieur je sais tout. Il a tort. Écrivez le vrai nom de cette fleur en commentaire. Bon, ça suffit, on a du boulot. Regarde, j'ai même installé une étagère. Les amis! Désolée, regardez ce que j'ai mis là. De beaux rideaux de princesse. On va ajouter des petits détails trop mignons. Ah! On va empiler plein de peluches. Je vais accrocher des guirlandes. Waouh, cet endroit est vachement plus sympa comme ça. Moi aussi, je peux y apporter ma touche. Heureusement que j'ai pas jeté ce vieux pneu. Il va se transformer en quelque chose de rose. Oh, pourquoi ça pue comme ça? Denis, t'as encore ramené des ordures? J'ai fait une belle table. Regardez par vous-même. Un pneu, un plateau de table et un service à thé. Waouh, excellent! Prends un thé, Denis. Ta table est tout simplement incroyable. Oh, on dirait qu'il va pleuvoir. Vous avez de la chance d'avoir un expert en toiture avec vous. Notre château a un tuyau d'évacuation maintenant. C'est pas une toute petite pluie qui va nous effrayer. Tu fais quoi avec ça? Grégory, regarde ce que papa a. Il ira pas que ça a disparu de toute façon. Une canne à pêche! Et un rouleau de peinture! Passe-moi ce seau. Moi, je m'occupe de peindre. Allez, approche Greg! Plus haut! Nickel! Greg, qu'est-ce que tu fais? Hé, je suis pas le tuyau! Des fleurs sur le rebord de la fenêtre? C'est une super idée! Allez, je vais me reposer un peu. Ah, mon carton bien moelleux. Pauvre sans-abri. Apporte le matelas gonflable de papa. Denis, on va bien s'occuper de toi. Tiens, je l'ai. T'attends quoi? Au! Qu'est-ce que t'as ramené? J'ai demandé le matelas gonflable. Mais bon, tu sais quoi? Ça fera l'affaire. Qui refuserait une piscine privée? On va pouvoir plonger et nager dedans. Waouh! Vous avez une piscine! Il pleut à nouveau! La sortie piscine est annulée. Hé, pourquoi vous faites la tête? C'est de l'eau de piscine gratuite, ça! Je vais vous montrer une astuce de plomberie. Suffit de diriger le tuyau de pluie vers la piscine. Waouh, c'est ingénieux! J'ai une idée! On peut plonger directement dans la piscine. Non, Greg! Pourquoi tu fais un boulet de canon alors que notre maison a un toboggan automatique intégré? Si génie, va! Va te changer avant d'attraper froid. Tu pourrais te changer, toi aussi. Ces trous, ça va pas du tout. Papa, je te prends ton costume. Parfait. Au! C'est pas pour moi, de toute façon. Attrape, Denis! Oh là là, t'es tellement mieux comme ça! Ça te va super bien. On dirait que notre maison est terminée. On a réussi, les amis! On a fait du super travail. Il est temps d'appeler notre sœur. Hé, sœurette! On a une surprise pour toi! Les voilà. Mais ça ressemble pas du tout à un château. Je te l'avais dit! On aurait dû utiliser mon dessin. C'est encore mieux qu'un château. C'est une vraie maison de princesse sur roues. Chut, les jouets dorment. Un vrai toboggan qui va dans la piscine. Une pièce. Un centime. Mon trésor.
Qu'est-ce qui se passe? Oh non! On roule! Uh-oh. Bonne chance, les amis! Regardez, j'ai trouvé un volant! Oh, les pauvres! Mes affaires perso? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Tiens, un nouvel uniforme! Pour moi? Des vêtements gratuits? Oh là là, merci beaucoup! Qu'est-ce que tu crois? Je porterai pas ça? C'est tellement démodé! Et cette robe? T'as perdu la tête? C'est du synthétique! Et cette tenue alors? Waouh! Oh ouais, ça me plaît! Stylé et tendance! Donne-moi mon uniforme tout de suite! Un uniforme de majordome! Ok, je vois! Je l'ai! Regarde dans la caméra! Souris! Merci! Pas un seul grain de poussière! Regarde la caméra! Souris! Majordome! J'aime pas la photo! Fais quelque chose! Oh. Souris! Regarde l'appareil photo! Merveilleux, t'es un super modèle! Attends, attends! J'ai apporté d'autres fringues! Ah, cette séance est géniale! Je vais poster ça sur Insta! On est tous superbes là-dessus! Oh, une caméra? Je vais la prendre pendant que personne regarde! Quoi? Garde! Joueur 218 a volé une caméra! Occupe-toi-en! Qu'est-ce que t'as là, une caméra? Donne-la-moi! Excuse-moi! Je sais pas où la mettre! Bon, ok, garde-la en attendant! Mais là, en sécurité! La nouvelle épreuve, c'est le tir à la corde! Berk, je ne toucherai pas à ça! Ah, les joueurs sont tellement difficiles de nos jours! T'as peur de perdre, hein? Tu me traites de loseuse? Maintenant, je vais tous vous donner une bonne leçon! Tu tires, là? Oh. Mademoiselle! Hé, fais attention! Vous avez tous les deux perdu. Je veux recommencer. Ok, vous restez tous les deux. Alors c'est ma chambre, ça? C'est tristoun. Quoi? Faut la nettoyer. Erk! Hé, serviteur! Changez-moi tout ça d'ici. C'est pas le Ritz, mais ça fera l'affaire. Oh, c'est notre chambre ici. Elle a même un toit. Trop de la chance! Ah, il est confortable ce tapis. J'ai l'impression d'être millionnaire. Debout? Pourquoi tu dors par terre? Va sur ton lit. J'ai pas dormi sur un lit depuis 10 ans. Monte sur le lit, c'est le tien. Le mien, sérieux? D'accord. C'est donc à ça que ressemble un matelas, hein? Non, c'est trop mou. Le sol est mieux de toute façon. J'adore le carton. Voilà, maintenant je me sens chez moi. Oh, un gâteau, j'ai trop faim! Je vais juste prendre un petit morceau. Aïe, c'est de l'or! Suzy, tu me dois une dent! Oh, il y a une porte ici? C'est la ventilation. Oh, j'ai trouvé une pièce! C'est qui là-bas? Vieille poupée, t'es virée! Va dans la benne! Maintenant, c'est moi la patronne! La vache! Je vais continuer à ramper! Oh, la poubelle! Je suis à la maison maintenant.
Qu'est-ce que c'est? Une autre carte? Retour à la case départ. Oh. Ok. Ton déjeuner. Oh. Un œuf et de l'eau. Merci. De l'eau et un œuf. Qu'est-ce que c'est? Hein? Je mangerai pas ça. Enlève-moi cette nourriture pour pauvres. Ces joueurs mal élevés sont tellement difficiles. Serveur! Un café, s'il te plaît. T'inquiète, je m'en occupe. Voyons ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Un œuf à la coque et de l'eau plate, s'il te plaît. Excellent choix, mademoiselle. Ces plats sont vraiment exquis. Merci beaucoup. Pourquoi on aurait besoin de ça? J'ai un front pour ça. Quel bon encas! Ce crado m'a coupé l'appétit. Aider un sans-abri avec un peu de monnaie pour manger. Hein? Tiens, ta nouvelle épreuve. Oh, enfin, une épreuve où on doit manger. Ce bonbon s'accorde très bien avec du Don Squid. Un millésime de 85. Hein? Bien joué, Denis! T'as réussi l'épreuve. Donne-moi le reste. Non, merci. Donne-moi la forme. Je veux le manger. J'y arrive pas. Serviteur, fais quelque chose. Je m'en charge. Je l'ai. C'est bon. Ce bonbon est beaucoup plus simple à découper. Majordome, occupe-toi de ça pour moi. Oui, mademoiselle. J'ai une idée. Hé, le SDF affamé. C'est à toi de jouer. Waouh, un chef-d'œuvre comestible. Mange-le. C'est bon. Hein? Merci les copains. C'était délicieux. Hein? C'est fini pour vous, bande de losers. Allez, Paul, tire. Les amis, qui va gagner? Les grincheux de ce côté? Ou les types super forts de l'autre côté? Donnez votre réponse en commentaire. Bienvenue, les invités VIP. Je suis tellement content d'être ici, les copains. Salut! Quel super jeu! Voici nos joueurs. Mia, chérie! Coucou, meuf! Suzy, ma belle, comment ça va? Oh, majordome Phil! On devrait célébrer notre rencontre avec un café. Ah, les filles, alors. Denis, mon pote, c'est moi! Oh, mec, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Tu fais quoi ici? Je travaillais dur, comme d'hab. Et ensuite, j'ai trouvé ce masque. Et une carte. Et me voilà, quoi! Et t'es qui, toi? Tu peux pas être ici! Dégage! Pierre, feuille, ciseaux! Oh, cool! J'ai gagné toutes tes billes, Richard! Suzy, t'as perdu. Viens avec moi. Pas tout à fait. Regarde, c'est les diamants de ma grand-mère. C'est un nombre pair! C'est donc une égalité! Félicitations! J'ai raté ça. Et c'est de nouveau l'heure d'aller se coucher. 1, 2, 3, soleil. Oh, des pièces. Je peux pas les laisser là. 1, 2, 3. Oups, c'est chaud. Tout le monde adore les chamallows. Ces joueurs fauchés sont trop marrants. Avance, majordome. Il est temps d'annoncer le gagnant du jeu. Quoi, alors là, c'est trop! Je démissionne! C'est qui le gagnant? La gagnante est... Suzy! Ah ouais, je suis trop heureux! Félicitations! Voilà ton prix. Quoi, c'est tout?
Je dépense plus d'argent que ça pour faire du shopping en une journée. C'est tout ce qu'il y a? Arrête de crier! Tiens, on t'offre aussi un diplôme. C'est qui la gagnante de Squid Game? C'est moi! Oh, j'ai trop de la peine pour ce pauvre type. Je vais lui donner la totalité de mon prix. C'est pour moi? Tout cet argent?